Rends-toi disponible, rends-toi disponible. Ah, c'est jeté. Ils sont heureux, les joueurs de Chamalières. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France les a particulièrement gâtés. Ils affrontent ce samedi le mythique club d'Auxerre. C'est un club qui évolue en Ligue 2 et puis il y a 4-5 ans, ils jouent encore la Ligue des Champions. Donc ça reste un monument du football français quand même. C'est une très belle affiche et on est plutôt content du tirage. On a fait ce qu'il fallait en championnat pour se préparer. Maintenant, on est à une semaine du rendez-vous, donc on est confiant et déterminé. Pour éviter le stress des grands soirs, pas de préparation spécifique et le bon résultat du week-end dernier face à Vaux-en-Velin devrait mettre les Chamaliérois en confiance. On n'a pas de pression, si on passe, on crée l'exploit et on fait le plus bel exploit qu'a fait le club jusqu'à l'heure actuelle. Et si on ne passe pas, et ben on aura quand même vécu quelque chose d'extraordinaire. On a envie d'aller le plus loin possible dans la compétition. On a envie de jouer contre des clubs de Ligue 1 et d'aller au 9e tour. Donc on va tout faire pour les battre. Réponse donc, ce samedi au stade Gardet de Cournon devant peut-être 2000 spectateurs.